Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de commentaires sur ma précédente vidéo où je montrais comment numériser des cassettes sur son ordinateur. Donc voici le type de clé que j'ai reçu. Et après plus de 48 heures d'installation, j'avais beaucoup de difficultés à ce que ma clé soit reconnue par le logiciel. En fait, il y a une petite astuce que je vais devoir vous révéler pour que vous puissiez numériser vos cassettes en format numérique. Donc on me pose beaucoup de questions. C'est pas toujours évident pour moi d'y répondre et de trouver les bonnes solutions. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo un peu plus en détail et vous montrer les différentes manipulations que j'ai fait moi pour pouvoir numériser mes cassettes vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques conseils avant de commencer. Le premier truc qu'il faut vérifier, c'est déjà vérifier l'état de vos cassettes. C'est la première chose, c'est la base. Donc branchez un magnétoscope ou un caméscope sur votre télévision par exemple et mettez en lecture les cassettes que vous souhaitez numériser pour voir si vous avez bien l'image, si elle est en bonne qualité, et si vous avez bien le son et s'il est en bonne qualité. Parce que sinon, si vous voulez numériser, peut-être que si votre bande de la cassette est détériorée et qu'il n'y a plus d'image sur votre cassette originale, vous allez vouloir numériser et forcément, il n'y aura pas d'image. Donc vérifiez d'abord l'état de votre cassette. Deuxième chose, forcément, il faut que ta clé de numérisation soit fonctionnelle. Moi, personnellement, j'avais utilisé au départ la clé de mon père, qui date d'il y a, je sais pas, 5, 6, 7 ans, je pense. Le résultat était très passable, donc du coup j'ai décidé d'en racheter une nouvelle. Donc c'est la August VGB 100 que j'ai acheté sur Amazon, peut-être une quinzaine d'euros à peine. Et troisième chose, du coup il faut un magnétoscope ou un caméscope pour pouvoir le relier au câble de ta clé USB. Donc ça c'est ma clé que j'ai achetée, qu'on va déballer ensemble pour vous montrer un petit peu le contenu. Et ça peut effectivement répondre à certaines de vos questions. Donc là, il y a mes cassettes. Donc des VHS hein, tout à fait classiques, hein, je dirais, hein, des pales Secam. Là, c'est mon magnétoscope. Pareil, quelque chose d'assez sobre, hein, donc marque Akai. Au dos, j'ai deux prises Spiritel. Avec la prise en dessous, la prise télé. Donc ce sera ici qu'il faudra brancher la clé. Enfin, la prise Spiritel de la clé. Il faudra bien la brancher sur la partie de télé, ok, ne vous trompez pas. Et puis donc j'ai un PC, hein, Windows 10, donc on va le voir ensemble de hein, toute façon. La clé est compatible sur plusieurs Windows. Je vais vous le montrer direct, hein, comme ça vous serez fixé. On le voit ici, hein, Windows XP, Vista 7, 8 et 10. Il y a un branchement S-Video, mais je vous avoue, on ne va pas s'en servir. Enfin, moi personnellement, je ne m'en servirai pas. Vous avez la mention PAL NTSC et Secam. Ici, c'est le contenu, donc on verra ensemble un peu ce qu'il y a dedans. Hein. On va déballer tout ça. Alors après, ce qu'il faut regarder, donc adaptateur, capture vidéo, donc transfert de vidéo à partir de VHS, hein, magnétoscope, caméscope ou autre source analogique. Ça permet de convertir les fichiers au format MPEG, WMC ou AVC. Perso, j'ai tout numérisation à MPEG et je vous avoue, ça prend énormément de place. Donc copiez vos fichiers vidéo sur DVD, PC ou USB. Donc moi j'ai tout mis sur un disque dur. Importez vos donc capturez images fixes, on s'en fout. Importez vos vidéos directement sur YouTube si tu veux. Source de vidéo Secam PAL NTSC. Entrée 3 phonos, donc le composite plus le S vidéo. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. La compatibilité avec Windows. Donc USB 2.0. Et après, bah t'as les. Des informations sur les caractéristiques et la configuration requise. Le tour de la boîte. Ok, on va déballer tout ça. Donc, comme je vous montrais sur la face avant, on peut utiliser donc les cassettes, donc relié à un magnétoscope ou lecteur DVD, caméscope, entre autres. Ok, on va déballer tout ça. Donc, moi, j'en suis servi, ça marche très très bien. Donc, tu as la clé. Ok. Hop. Clé USB, ok, avec tes trois composites, plus le S vidéo, mais on s'en servira pas du S vidéo. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, tu as la clé USB ici. Tu as la notice, sachez que son vert, le câble, la Peritel, notice de garantie. On va pas le regarder, on s'en fout. Et là, le CD d'installation. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que sur mon PC, c'est un PC qui est tout récent, il n'y a pas de lecteur CD. Donc, ne vous affolez pas. Il suffit juste de télécharger le logiciel sur le site officiel. Je vais vous montrer juste après. D'abord, on va d'abord regarder la notice. Ok. Première chose, même si les Français, on n'aime pas ça, on regarde la notice, les mecs. Ou les filles, hein, bien entendu, excusez-moi. Hein. Donc là, c'est tout le processus. D'abord, ce
qui va nous intéresser, vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Rubrique en français, je vais vous le lire. Donc, il est recommandé de désactiver temporairement votre antivirus avant l'installation du logiciel. Si vous obtenez le son mais un écran noir, veuillez faire un clic droit sur l'icône Honestech, cliquer sur Propriétés, Confidentialité et sélectionner Mode couleur réduit puis 16 bits. Donc ça peut peut-être répondre à différentes interrogations ou questions que vous avez aujourd'hui. Si vous n'avez pas de lecteur CD comme moi, vous pouvez télécharger le logiciel à cette adresse-là. Ok ? Ensuite, vous avez les drivers. Il faudra vérifier qu'ils sont tous bien installés. Donc avant d'installer, de télécharger le logiciel, désactiver l'antivirus. Ça peut être bloquant. Ensuite, donc on va pas faire l'installation ensemble parce que je l'ai déjà installé le logiciel et je vous avoue, j'ai pas envie de le désinstaller pour le réinstaller. Donc du coup, ensuite, donc installer le logiciel. Vous insérez la clé donc sur votre PC. Et ensuite, vous suivez les processus d'installation du logiciel. Vous cliquez sur la langue que vous souhaitez et vous suivez toutes les démarches. Il confirme bien l'installation de la clé. Ensuite, vous choisissez votre langue. Dalalala. Ok, bon là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est juste, la seule chose, c'est de désactiver temporairement l'antivirus à ce moment-là. Avant le téléchargement. Bref, ensuite, quand vous avez inséré votre clé USB, vérifiez dans les drivers, dans le panneau de configuration, gestion des périphériques de mémoire. Donc là, il faut vérifier les drivers. Vous faites un clic droit dessus pour mettre à jour si jamais il y a besoin. Ici, il vous demande de mettre la clé du produit. La clé du produit, vous l'avez sur le CD d'installation derrière, ici. Du coup, après, vous avez cet écran qui apparaît. C'est l'écran du logiciel. OK ? Ici, il nous demande donc du coup de sélectionner l'outil vidéo. Donc vous devriez avoir Conexant Polaris Vidéo Capture. Vous cliquez sur Settings si jamais vous ne le voyez pas. Idem pour l'audio. Ça doit être exactement la même chose. Après, en termes de format, vous choisissez le format DVD, etc., etc. Donc, quand vous avez cliqué sur Settings ici, ça vous envoie cette petite fenêtre avec la possibilité de sélectionner soit le S-Vidéo, le noir, ou soit les trois composites. Les trois composites, c'est ça. Rouge, jaune, blanc. Et là, ensuite, il vous demande le type de vidéo, PAL, PAL CECAM, etc. Mais ça, je vous avoue, touchez à rien. Franchement, par défaut, normalement, c'est automatiquement mis. Donc là, vous voyez qu'en français, c'est CECAM ou PAL. Donc, mais ne touchez à rien, normalement, il n'y a besoin de rien toucher. Donc, je vais brancher mon microscope dans un premier temps. Je prends ma clé. Donc, rien de plus simple. Rien de plus simple, hein, si vous n'êtes pas daltonien. Le blanc avec le blanc. Peu importe, hein, les deux, n'importe lequel. Hein. Jaune, rouge. Ok. Pareil, même principe. Vous voyez, il y a des couleurs différentes. Le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune. Là, vous avez la prise S-Vidéo, si jamais vous avez une prise S-Vidéo. Du coup, je t'avais dit, la prise Péritel, tu la mets sur la partie télé. Télé, prise Péritel. Alors, je sais pas comment toi c'est écrit, mais bref, tu dois pas en avoir 50 000. Donc, TV, prise Péritel. Donc, la prise Péritel sur la partie TV. Ok. Déjà, si j'ai pas les yeux en face des trous, ça va pas le faire, les jeunes. Tu l'enfonces bien, hein. Appuie pas comme un sagouin. La prise, tu la branches sur ton PC. Pareil, ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais bon. Il faut que ta prise USB fonctionne. Donc vérifie que ta prise USB fonctionne, je sais pas, branche une clé USB et si ton PC ouvre ta clé USB, c'est qu'elle fonctionne. Là, je sais pas si t'as entendu, ça fait un petit bruit. Donc c'est que ta prise USB déjà de ton PC fonctionne. Il se peut que sur certains PC, bah ça fonctionne plus, donc vérifie ça. Donc mon magnétoscope est branché sur secteur. J'ai mis la prise Péritel au dos du magnétoscope, branché avec les trois câbles de couleur, la clé USB sur le PC, ok? Vérifie que ton magnétoscope fonctionne. Là, tu ne vois peut-être pas de la hauteur, mais il y a les petites LED ici. Je vais mettre une cassette. Ensuite, je vais ouvrir Honestech. J'attends que ça s'ouvre. Donc là, il me demande de mettre ma clé. Donc, j'ai inséré ma clé, qui est donc, comme je te le rappelle, présent sur le CD d'installation au dos, la petite languette. Là, on va agrandir un peu pour histoire de tout voir. J'ai mon logiciel qui est ouvert. J'ai un menu. Tu veux faire un nouveau projet, ouvrir un projet que tu as déjà fait, enregistrer le projet en cours. Là, je t'avoue, éditer, graver, je m'en suis jamais servi, je ne touche pas à ça.
ici les petites roulettes qui permettent d'avoir accès à toutes les options du logiciel. Ok, donc ici, moi je peux sélectionner ma clé USB. Ok, là aussi, USB 2.0 machin, tu as les réglages. Moi c'est bien en composite, je fais ok. Sur l'audio, on touche pas. Ici, tu as le choix du format. Moi j'avais dû laisser DVD une couche. Qualité, bah, tu la sens meilleure, bonne, normale en fonction de ce que tu as envie. Type de vidéo, tu as les différents. Moi je laisse en pâle, je touche à rien. Là, tu as le dossier de sortie si jamais tu veux le mettre dans un autre dossier. Ok. Donc, c'est ce que je te disais. Si jamais, moi, le problème que j'avais au départ, c'est ici. Rien n'était connecté. Et donc, je te renvoie à ma vidéo juste avant où il y a un petit truc à sélectionner, à appliquer dans tes paramètres. Si je mets mon magnétoscope en lecture. Donc là, j'ai mis la cassette en route. J'avais enregistré des vieux clips à l'époque, donc là tu vois l'image elle est vraiment dégueulasse, c'est que la bande est quand même détériorée. Donc t'entends le son, donc ça veut dire que déjà il y a du son qui sort de la cassette. Donc c'est déjà un indice pour t'indiquer qu'il y aura bien du son sur ta vidéo. Après, le seul truc qu'il faut faire, bah, si t'as bien le retour vidéo et le retour son sur ton PC, tu cliques en bas à droite sur enregistrer. Donc là, ça enregistre et tu vois le compteur ici qui commence à augmenter. Ok? Et donc, si tu veux arrêter, t'appuies sur le petit carré arrêté juste ici en bas. Et ça s'arrête. Donc, c'est ce que je te disais. Moi, en général, le seul problème que j'ai eu avec cette USB, c'était le retour vidéo. Attends, je vais taper moins fort parce que je m'entends pas. Alors, moi, voilà, c'était le retour vidéo que je n'avais pas. Donc, le retour vidéo, comme je te disais, rends-toi sur ma vidéo juste avant où j'avais juste dû activer un paramètre d'affichage. Donc, suite à ça, j'ai pu avoir l'écran en retour et j'ai pu numériser mes 4, 5, 6 heures de cassette vidéo que j'avais en ma possession. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. Si jamais tu as d'autres questions, d'autres besoins, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Je t'avoue, c'est pas toujours facile hein, à distance. Sinon, ce que je te propose... Attends, on va éteindre la cassette. Après, ce que je te propose de faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur la page Amazon de là où j'ai acheté. Et j'ai dû contacter quelque part le fabricant. Je sais plus où ni comment. Je vais essayer de retrouver ça. Et c'est lui qui m'a aidé et qui m'a donné l'astuce de l'activation du périphérique. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, dans mes mails, je ne sais plus comment j'ai fait, j'ai réussi à contacter le vendeur qui s'appelle Dafodil. D-A-2-F-O-D-I-L FR, comme France. Et il a été super réactif. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais franchement, je te remercie. Il a été très réactif et très clair et concis dans ses explications. Donc, je lui ai envoyé un mail. Et puis, il m'a répondu avec, bah, je pense là, c'est une réponse automatique. Et après, je lui ai posé vraiment la question sur mon problème personnalisé en lui envoyant des impressions écran comme il m'avait demandé. Allez sur la fiche Amazon. Donc, Dafodil, il est là. Si je clique dessus, voilà, je peux lui poser une question. OK. Et donc là, vous lui posez lui la question et il va pouvoir vous répondre. Franchement, vous allez voir, il est super réactif. Je vous le conseille, vraiment. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Si j'ai répondu à tes questions, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir les autres vidéos si ça te convient. Allez, ciao ciao!